sommes installés sur une petite aire sympathique. Donc je la recommande, hein. Même si on est à 2 km de la mer, ceux qui ont des vélos électriques, c'est faisable parce qu'il y a une piste cyclable. Et ceux qui ont des bécanes, c'est l'idéal. Et là, voilà. Voilà le cadeau summum, c'est pour ça qu'on est là malgré tout à 2 km de la mer. Parce qu'il y a une superbe piscine. Et on n'est pas loin. On est mercredi matin. Un peu de vent. Mais on a bien dormi, mais un peu de vent. Et là, j'ai trouvé mon lave-vaisselle en bio. Hola, que tal? Hola. Voilà mon lave-vaisselle bio. Oui, mais il faudrait qu'il repasse. Ah. Hein. Il fonctionne très. Ah oui, d'accord, il est bancal. Donc ici, c'est pour vidanger les eaux grises. En face, les toilettes. On a l'eau là pour tout nettoyer. Et là, un petit. Ah, c'est. Coin vaisselle. Coin vaisselle, ouais, on peut dire ça, coin vaisselle. Avec une charmante demoiselle qui travaille pendant que son copain, son petit homme, filme. Regarde, t'imagines, est-ce que tu as rêvé un jour de faire la vaisselle devant un olivier tout beau? C'est encore calme, un peu de camping-car, hein. On est fin juin. Il fait déjà très chaud. Il est plus 10 h. Bon, après on se mettra une petite tête à la piscine. Alors aujourd'hui c'est journée off. On va nettoyer le camping-car parce qu'il a déjà au bout de 3 semaines beaucoup de poussière. Je vais faire la prochaine vidéo. Donc du petit boulot quand même, tranquille, sans se presser. Alors dans chaque emplacement, il y a un robinet d'eau et une prise de courant. Alors la prise de courant, le courant par contre c'est un supplément. Mais l'eau est dans le tarif. Et là, il est dans le tarif emplacement du camping-car. Donc à 10 euros. Donc c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Avec piscine bien sûr inclus. Hein. Alors mon chien, ça va? Tranquille? T'as passé une bonne nuit? On va le laver aujourd'hui. Ah, oui, comme je vous disais, on est directement branché à notre emplacement pour l'eau. Un peu de nettoyage dans le camion, comme je vous ai dit. Bon, c'est moi qui fais tout, mais bon. Ah non, rien, j'ai rien dit. Je parlais aux collègues. Ouais. Moi, j'ai le balai, moi. Ah, on ramasse toujours des petits cailloux. Par terre. Allez, Cécile, montre. Montre non, comment tu fais. J'ai un balai, mais. Plus, non mais c'est bien par c'est bien à quatre pattes. Là il y a encore une tache là. Ah oui là. Non c'est moi ouais. Voilà. Alors c'est pour vous situer où qu'on est actuellement. On est ici. Donc Cartagena est ici. Aguilas. Là. Et prochainement on va descendre sur Almeria. Peut-être là, je sais pas, je vais regarder. Sinon, on va à Roqueta de Mar.
Alors ça c'est un petit aménagement que j'avais fait pour soit un petit brise-vue ou soit pour avoir un peu plus de l'ombre pour couper le soleil. Alors c'est une matière que j'avais achetée à Action à moins de 10 euros les deux là, et je l'ai plus ou moins assemblé et ça fait nickel. Là c'est pareil, c'est avec de la récup et un pare-soleil. J'en ai acheté deux pour en faire un grand. Voilà. Sauf que c'est vrai que malgré que ça colle bien, et ben avec le soleil, ça se décroche. J'ai acheté des ventouses là comme ça là sur Amazon là. Ce style là aussi. Mais maintenant vous voyez avec le soleil, l'élastique là, commence à se fatiguer. Là, c'est pareil. Pensez-y hein, quand il fait très très chaud pour décoller les essuie-glaces, hein, sinon après ils sont brûlés et ne fonctionnent très moche, enfin très moyen ensuite. Voilà. Et là. Alors ce soir, nous sommes mercredi 21 juin. La fête de la musique. Bon, en Espagne, on ne fête pas la musique. Alors au repas, nous avons une brochette de poulet faite maison avec une marinade. Ketchup, sauce soja. Allez là. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Huile d'olive. Il nous manque juste le miel. Du miel qu'on n'avait pas. La sauce barbecue. Des herbes, de l'ail. Du jus de citron. Ouais. Et puis je crois que c'est tout. Avec des petites tomates à la provençale. Et il nous reste une salade de pommes de terre. Voilà. On va se régaler. Alors on vous recommande ce petit coin là, franchement, parce que la propriétaire elle est super super gentille. Alors je sais plus à quelle heure ça ferme. On a le numéro pour le digicode pour rentrer ou pour sortir. Voilà. À la réception qui est ici. Alors moi franchement je vous recommande c'est d'aller un peu plus loin parce que vous entendez très bien qu'il y a la petite route. Donc pour dormir, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. Ouais. C'est à votre guise. Si ça doit être encore une fois un secteur pour les vidanges. Ouais, effectivement, ça doit être là les poubelles, Cécile. Il y a une aire de vidange là aussi. Ouais, c'est avec les cités. Sinon, on est entouré de montagnes. Et là, il fait très très bon, très doux. €4, comme a dit Cécile, 2h30. Il y a de quoi bouquiner. C'est pas trop cher. Non, c'est très correct. Hein. Ouais. Et c'est propre. On est bouqué en français. Eh ben. Ouais, c'est correct. Je sais pas comment ça fonctionne. Ben, il faut appuyer sur le bouton. Tu vas contrôler les toilettes. Ouais. Alors juste pour vous montrer les douches. Alors bien sûr c'est payant. Hein. On avait dit 1,50€. Alors je sais plus combien de minutes. Mais franchement c'est propre. C'est sympa. Hein? C'est très joli. C'est très sympa. Hein. Ouais, c'est très joli. C'est très joli.
tout carré. Et là, c'est les femmes. Le seul défaut qu'on s'est aperçu, c'est que les robinets... Ah, bah, celui-là, il tient. Il tient, mais c'est bancal quand même, non? Elle est pas belle, la modernité. Là, on fait le petit linge. On profite qu'il y a du vent. Alors, j'ai mis une corde à linge, je sais pas si on la voit là. Ici, là, hop, tout du long, là. Franchement, c'est un petit objet que j'ai acheté sur Amazon. C'est super bien. C'est une petite. Elle fait 10 mètres de long. Vous voyez, ça s'embobine là-dedans. Là, on s'accroche un peu partout. Et voilà, ça fait ça jusqu'au camion. Et franchement, je crois que j'ai acheté ça 10 euros. Et c'est pratique. Ça ne s'emmêle pas, puisqu'après, ça s'enroule. Ça se rembobine, je veux dire. Hugo, il est déjà mort là. Donc là après on récupère les eaux usées de la machine, je vide, on recommence, on remet de l'eau. En plus on a de la chance, comme il fait très chaud, bah, ça sort de l'eau chaude, une partie, donc nickel. Allez. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Cécile? À la lessive. Là tu fais rinçage. Le rinçage, ouais. On a fait le cycle de lavage, 2 fois 15 minutes. Là, je remets de l'eau pour rincer. Bien pareil, un cycle de 30 minutes, 2 fois 15, pour bien rincer. On a de la chance ici, hein, d'avoir l'eau. Il n'y a plus qu'à les sauver, Fred. Aïe, ça c'est plus compliqué. Alors le souci c'est que c'est interdit aux chiens. Les plages, ouais. Les plages, on est un peu déçus. C'est pas trouvé une plage autorisée pour les chiens. Là, vous voyez, a priori, Cécile l'avait lu sur Google, c'est ceux qui sont amateurs de plongée, il paraît que c'est chouette autour de cette île-là. Sinon c'est un cadre merveilleux.
Voilà, on s'est fait commander, comme on disait tout à l'heure, des calamars frites. Bon, c'est juste des petites tapas, hein. Et un truc que Cécile a demandé pour un cendrier, ça n'existe pas en Espagne. Il m'a mis le sol, sol. Tu mets les mégots par terre. Regardez. Hop. Même partout. Là. Et après, il nettoie, il passe un coup de balai. Voilà. Bon, bah, bon appétit. Allez, Cécile, retentative. Vu que c'est bien chaud. C'est pas celle qu'on achète au congélo. Hein. Non, non, c'est pas bon. Voilà, c'est la petite baignade pour se rafraîchir. Vous voyez, c'est super mignon. C'est une petite maison, des locations, des propriétés. Celle-là, j'aime bien là. Elle est trop belle. Les biclous, ils sont là-bas. Et la plage est très très grande. Et donc du coup, bah voilà, on fait des effets, on s'est mis dans un petit coin tranquille, à l'autre bout, pour pouvoir être avec les chiens. Elle est fraîche au début quand on rentre, mais après ça va. Et voyez, le sable, c'est pas vraiment du sable, on dirait des petits gravillons. Et bon, ça rafraîchit, ça fait du bien. Par contre, quand vous rentrez dans l'eau, en fait, c'est plein de roches. C'est pas du sable, c'est plein de roches. Donc, il faut faire attention aux pieds ou avoir les chaussures de mer qu'on a, mais qu'on a laissé au camping-car. On ne savait pas comment c'était, donc on reviendra avec. Elle est bonne ? C'est la fin de cette vidéo à Carbonera. Eh oui, hélas. On espère que ces images de cette belle aire avec piscine vous ont plu. Les petites balades en vélo. Ouais, les balades en vélo, les petites bières qu'on a dégustées. Ouais. On continue la suite du voyage, direction Roquetas del Mar. Normalement, hein, si tout se passe bien. On espère, on a trouvé un petit coin qui a l'air d'être pas mal aussi. Voilà. Donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Des petits à pouces. À liker, surtout des petits pouces. Et puis des commentaires. Nous, on a plaisir à vous répondre. En attendant, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Allez, ciao. À plus. Ciao. Au petit pouce, hein. Au petit pouce.